Alors, on se retrouve là sur le stand Bleu Jour. Alors, Bleu Jour, c'est un... Je ne sais pas comment on peut les appeler, mais tout à l'heure, on va interviewer tout simplement le fondateur de Bleu Jour. Bleu Jour, c'est quelqu'un qui va vous revendre un PC par notre intermédiaire, bien évidemment, mais il va vous le packager, il va vous le designer dans un boîtier assez atypique. Alors là, vous en voyez. Alors ici, ce sont les boîtiers. Alors, je ne connais pas la gamme. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, on va plutôt attendre de pouvoir discuter avec le fondateur de Bleu Jour. Mais je vous laisse quand même admirer un petit peu le type de boîtier. C'est très très différent de ce que vous pourriez trouver tout simplement sur un NUC. Un NUC packagé façon Intel. Et alors, tenez-vous bien. Ils ont même la version NUC, mais NUC en PC portable. Vous pouvez voir ça juste sur cette étiquette. Alors, c'est un bon PC portable. On a un 15,6 pouces, un CPU i5 de 11e génération, voire même i7. On peut avoir jusqu'à 16 Go de RAM, un disque M2 en SSD PCI Express, manifestement, NVMe, en Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, en HDMI 2.0. Donc, j'imagine qu'en termes de connectique, il en est bien doté aussi, et du Thunderbolt 4. Donc, les deux petits ports USB-C que vous voyez. Donc, c'est un produit vraiment différent, tout simplement parce que c'est un produit qui est destiné à des sociétés comme les nôtres, qui sont plus intégrateurs dans ce cas-là que revendeurs de HP, Lenovo ou autre. Donc ça, c'est vraiment un concept intéressant. Je vais vous montrer un petit peu toute la gamme et après, je vais voir avec monsieur. Alors ici, on a la CPME. Non, c'est pas la CPME. Je pense qu'il a dû être, on va dire, personnalisé pour la CPME de Haute-Garonne. Mais vous avez ici toute une gamme de boîtiers qui pourraient accueillir justement votre futur PC. Alors, il va nous en parler tout à l'heure, mais là, je vous montre déjà la gamme. Vous allez voir qu'ils ont vraiment une gamme fantastique. Alors, si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire dans cette vidéo. On se fera un plaisir de, pourquoi pas, répondre à un appel d'offres de PC personnalisé qui pourrait, ma foi, être assez sympathique. En tout cas, plus sympa que les boîtiers NUC traditionnels, à n'en pas douter. Voilà. Là, je vous montre des boîtiers imitation bois. Alors, il y en a vraiment toute une série. Vous avez des boîtiers à un design plus industriel qu'on retrouve là. Non, c'est vraiment une gamme assez sympa. Et je vous montre presque les derniers. Alors là, c'est très, très design. On pourrait retrouver ça dans des bureaux d'architectes. C'est vraiment sympa comme gamme. Et alors, c'est pas totalement les derniers. Vous avez le Harley Davidson qui est ici, que je trouve vraiment sympa. C'est très très chouette. Et enfin, hop là. Alors, vous avez ceci au look un peu métal. Alors, est-ce que c'est pour mieux dissiper la température, les calories? Je n'en suis pas certain. Mais en tout cas, ils sont assez sympathiques aussi. Et j'imagine quand même qu'il doit y avoir une question de dissipation thermique. Oui, alors dans cela, à n'en pas douter, vous voyez, leur format un peu radiateur, ça fait penser à des PC qui vont pouvoir être soumis à des contraintes de température un peu plus élevées. Alors, nous sommes sur le stand Bleu Jour à l'IT Partners. Et j'ai la chance d'être avec Jean-Christophe Agobert. Jean-Christophe Agobert, vous avez fondé tout simplement Bleu Jour il y a quelques années. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter votre société, qui vous êtes, que faites-vous et quelle est votre proposition différenciante par rapport au marché du PC, du mini-PC? Alors nous, on existe depuis 2002. En fait, la société a été créée en 2002. Elle a démarré son activité de PC en mini-ETX. On a fabriqué en 2002-2003 des premiers ordinateurs en format mini-ETX, donc déjà des petits PC 20 par 20 cm. Et on a réellement décollé à partir de 2015, début 2015, avec le Cube, en utilisant une technologie Intel NUC. Et on a fabriqué donc un premier mini-PC de 12 cm par 12 cm, avec des versions colorées, personnalisable, puisqu'on peut mettre des logos, imprimer des logos des entreprises, des choses comme ça. Et c'est un PC vraiment bureautique, on pose sur le bureau, silencieux, faible consommation. Et alors, vous dites PC personnalisable, est-ce que ça veut dire qu'il faut commander une certaine quantité, ou alors il y a quand même des familles qui existent déjà et on peut piocher dans la famille qui nous intéresse selon le design qu'on a retenu?
Alors, on n'a pas besoin de quantité pour faire un logo, en fait. Vous pouvez commander une pièce avec votre propre logo. On imprime en UV, en fait, sur le châssis. Il nous faut juste un fichier Illustrator et il n'y a pas de minimum de quantité. Ça coûte à peu près 15 euros pour un revendeur à faire. Donc, il n'y a pas de minimum. Ok. Alors, vous nous avez parlé de PC de bureau, mais j'ai vu aussi un peu plus haut là-bas des PC qui sont des PC plus de gaming. Est-ce qu'on peut aller les voir et puis vous nous en parler un petit peu ? Allez, on va aller voir le Move Ultimate, en fait, qui est notre premier produit de gaming. Donc là, on est sur la gamme Move Ultimate. Gamme Move Ultimate, on utilise la technologie Intel Nuke Element, en fait, qui est tout simplement ceci, hein, un circuit sur lequel on va venir plugger la partie processeur et la partie graphique. Donc là, ici, on utilise donc du i5 au Core i9 et on peut donc plugger des cartes graphiques 30 cm, donc de la 3070, 3080, 3090. Ok, et vous m'avez indiqué tout à l'heure une particularité sur la poignée. Vous avez même pensé aux petits détails pour les différentes personnes qu'on peut trouver aujourd'hui comme joueur. Oui, tout à fait. On a le droitier et le gaucher. Donc, on a un châssis qui peut être pour le droitier et un châssis pour le gaucher. Il suffit juste d'intervertir en fait les pièces et on change de sens la position de la poignée. Entendu. Et alors, un PC gamer, ça veut dire une grosse carte graphique. Là, on a le choix de la carte à intégrer. C'est vous qui l'a proposé ou comment ça peut se passer? Si nous, par exemple, on voulait vous commander des futurs PC de gamer, comment ça se passera en termes de référence de produits? Alors nous, en fait, on a un choix et on a du stock sur certaines cartes graphiques. Maintenant, on est capable de le livrer sans carte graphique, donc avec le processeur. Et après, vous êtes à votre libre choix d'acheter la marque que vous voulez et la carte que vous voulez. Ok, alors j'ai vu aussi cette gamme-là qui est juste à notre gauche. Moi, c'est cette gamme-là que je connaissais. C'était la première gamme que vous avez distribuée? Oui, c'est le premier produit qu'on a lancé en 2015, qui s'appelle le Cube KUBB, qui est vraiment notre produit iconique aujourd'hui, qui est le produit le plus vendu chez nous. D'accord. En termes de garantie, comment cela fonctionne? C'est une garantie qui se passe chez Intel, c'est une garantie qui se passe chez Bleu Jour. Comment ça se passe? Alors, c'est 5 ans de garantie, tous nos produits. C'est nous qui assumons le service après-vente. En fait, comment ça se passe quand un revendeur travaille avec nous? S'il a un produit défectueux, il nous le dit avant 15h30, 16h. On lui expédie en avance la pièce, il répare, il nous retourne la pièce défectueuse. Voilà comment ça se passe. Ok, donc ça, c'est déjà un réel avantage, parce que je rappelle quand même qu'un NUC de base est garanti 1 an ou 2 ans, hein, c'est ça? 3 ans, mais là, on va étendre à 5 ans et on a une sorte d'échange anticipé, donc c'est ça? Oui, en fait, vous avez le revendeur a une pièce défectueuse, il nous appelle, on lui livre en premier la pièce neuve, et une fois qu'il a fait sa réparation, il va nous retourner la pièce défectueuse. Ok. En termes de gamme, j'imagine qu'on a les toutes dernières générations de CPU, on a évidemment la 11e. Dès qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, est-ce que automatiquement ça va intégrer même les plus vieilles gammes qu'on a vu le cube dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Ou est-ce qu'un cube est, on va dire, un petit peu dans la génération d'origine et puis ça bouge pas? Non, le cube est évolutif en fait, là, puisqu'il est constitué de deux éléments, la coque et l'embase, et l'interchangeabilité est rétrocompatible. Donc si vous avez acheté une 6e génération chez nous, que vous voulez acheter la 11e, il suffit d'acheter juste l'embase et de la changer. Ouais, ok, donc ça c'est quand même vraiment top, parce que ça permet de garder des boîtiers avec un design qui sont quand même assez fabuleux. Tout à l'heure j'ai filmé, il y avait même un boîtier Harley Davidson. Je ne sais pas si vous êtes un fanatique de Johnny, mais on pourrait peut-être en avoir un avec Johnny, c'est un peu la période aujourd'hui des hommages. Alors le Harley Davidson, en fait, c'est une pièce qu'on a faite pour Harley Davidson aux États-Unis. C'est vraiment une coque qu'on a fabriquée pour eux, pour livrer les magasins en fait Harley. Donc c'est fait à la main, c'est à l'aérographe, c'est un artiste qui a fait ça. Ça vaut un peu d'argent, mais c'est la personnalisation qu'on sait faire. Vraiment, soit juste un logo, ou on peut aller très loin comme le Harley Davidson. Alors, vous nous parlez des États-Unis. Vous m'avez indiqué aujourd'hui que vous aviez une grosse partie à l'export qui était possible. Donc, pour nous qui avons des clients qui sont effectivement un peu en Europe, comment ça peut se passer en termes de livraison? Est-ce que vous faites, par exemple, tout ce qui est partie préinstallation d'un OS, ou ça, c'est l'intégrateur qui va devoir le réaliser? Alors, nous, on livre nos PC de deux manières, soit un Linux, soit un Windows. Le Linux, c'est simplement parce qu'on veut expédier nos produits avec un OS dessus pour être sûr que ça fonctionne. Et sinon, préinstaller le Windows. Alors nous, essentiellement, Windows 10 Pro. Mais sinon, le revendeur peut acheter sa version Linux et installer son Windows. Mais on préfère les livrer complets.
Ok, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Vous avez vraiment une gamme de PC qui est assez fantastique aujourd'hui. Les PC se ressemblent souvent tous, bah, pas chez vous. Là, on a vraiment des PC qui ont des looks très très différents. Il y en a pour des architectes, je trouve. Il y en a pour des commerces, il y en a pour des usines. On a vu un petit peu là-bas des PC un petit peu plus orientés industrie. Bah, écoutez, vous avez une gamme fabuleuse. On va faire, je pense, une très très jolie vidéo grâce à vous. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci encore et bonne journée. Merci.